la solidarité. Depuis que Coco et sa bande d'affreux sont arrivés chez nous, il y a des choses qui sont très compliquées, c'est vrai. Mais il y a surtout de beaux gestes que beaucoup de personnes font pour aider les autres. Faire des courses pour éviter à une personne fragile de sortir de son cocon. Merci, jeune homme. C'est bienveillant. Et tous ces gens qui distribuent aux autres des masques qu'ils fabriquent eux-mêmes. C'est généreux. Et ceux qui accueillent pour la journée des enfants que leurs parents ne peuvent pas garder parce qu'ils partent travailler. À ce soir, mon petit loup. Tu t'es bien amusé? Oui. Merci, à demain. C'est courageux. Et les inconnus qui font livrer des fleurs et des chocolats chez des soignants fatigués. Oh. Courage. Merci. C'est touchant. Et ces immeubles, ces rues entières où les cocons créent des nouveaux liens les uns avec les autres pour rire ensemble. Bienvenue à Question pour un balcon. Question numéro 1. Quel est le... Je sais. Faire de l'activité physique. Et 1, et 2, et 1, et 2. Fêter un événement. Joyeux confiversaire. Merci. Ou chanter comme des oiseaux. L'amour est enfin de poème. Il n'a jamais connu de moi. Quelle merveille. Des exemples comme cela, tu en connais sûrement d'autres. La liste est longue. Il montre ce qu'est la solidarité. Nous pouvons en faire preuve dans les difficultés. Et moi, je trouverais chouette que cette solidarité reste lorsque Coco et sa bande auront disparu.